l'historique remonte, j'allais dire, dans la volonté du chef de l'État de faire en sorte que le Sénégal soit autosuffisant en riz. Pour aller vers l'autosuffisance, nous avons réfléchi, on a pensé que pour produire plus, il faut d'abord avoir de la semence de bonne qualité. Et nous sommes rendus compte qu'en vérité, au Sénégal, on ne produisait pas suffisamment de semences pour toute la riziculture sénégalaise. On pensait en réalité que l'essentiel de la production devait venir de la vallée du fleuve Sénégal. Alors qu'en réalité, le Sénégal a deux types de riziculture. Une riziculture irriguée et une riziculture pluviale. La riziculture pluviale était en quelque sorte le parent pauvre, avec presque pas du tout de semences de qualité. Donc nous avons pensé qu'il fallait agir sur l'intrant semence pour avoir véritablement, pour augmenter le rendement. C'est pour cela que quand Africa Rice a décidé d'octroyer au Sénégal 60 tonnes de semences, nous avons pensé qu'il fallait multiplier cette semence, c'était une chance, multiplier cette semence au profit de toute la riziculture pluviale. Et cela a rejoint un peu l'idée qu'on avait, à savoir qu'il fallait, pour agir sur la semence, agir sur trois éléments. Le premier élément, c'était d'augmenter la quantité. Ces 60 tonnes de semences base nous permettaient assurément d'augmenter fortement la quantité de semences à mettre à la disposition des riziculteurs du pluvial. Le deuxième intrant est qu'il fallait avoir de la semence de qualité. On a veillé, comme c'était de la semence de qualité, avec la dixième, c'est la division des semences, nous avons travaillé ensemble pour faire en sorte que la semence soit produite du début jusqu'à la fin, que le contrôle soit fait et qu'on puisse avoir de la semence certifiée, c'est-à-dire de la semence de très bonne qualité. Le troisième élément, et qui aussi a été respecté dans ces 60 tonnes de semences, est qu'il fallait avoir de la semence pour plusieurs écosystèmes. Parce qu'on a plusieurs écosystèmes dans la riziculture pluviale. On a eu du Nerica 4 et du Nerica 6 que nous exploitons pour ce qu'on appelle le plateau ici, mais on a aussi la riziculture de Bafon, qui était représenté par le 8A9. Donc en cumulant ces trois éléments, nous nous sommes retrouvés parfaitement dans les 60 tonnes qui ont été offertes par Africa Rice. Et nous avons discuté avec la Sodagri, avec la FEPROBA, avec Africa Rice. Nous les avons suffisamment sensibilisés pour qu'ils puissent produire, pas pour consommer, mais produire pour de la semence à mettre à la disposition de l'ensemble des riziculteurs du Sénégal. Au bout de deux ans, mais trois campagnes en vérité, parce qu'il y a eu de la contre-saison, plus deux cultures d'hivernage, nous avons constaté en vérité qu'il y a eu quand même un changement radical dans le bassin de l'Anabé, qui représentait pour nous aussi, en quelque sorte, qui symbolisait la riziculture pluviale. Parce que dans ce bassin, essentiellement la culture du riz était basée sur une culture d'hivernage. Mais aussi, en cas de difficulté, il était possible de faire un appoint en irrigation. Donc nous avons préféré, au lieu d'amener cette semence au niveau de la zone irriguée où tout sera irrigué, nous avons dit non, il faut l'amener au niveau de là où c'est essentiellement de l'hivernage qu'on fait. Je pense que vous avez suivi beaucoup de témoignages et nous sommes en tout cas confortés dans l'idée qu'il fallait absolument amener cette semence-là. En tout cas, on n'est pas du tout déçu par rapport à ce qu'on a vu depuis qu'on a amené cette semence dans cette zone-là. Oui, alors, pour le moment, nous sommes dans une démarche pédagogique. Le gouvernement accompagne pour le moment les agriculteurs, mais tout en les accompagnant, on les inscrit dans une démarche où plus tard, il leur sera possible d'aller à la banque, d'emprunter, de faire son activité agricole et de rembourser. Je pense que selon les témoignages que vous avez écoutés, vous avez vu que la banque commence à avoir confiance. Vous avez vu qu'on a dépassé au début, qu'est-ce que vous ont dit, on assurait l'autosuffisance sur 6 mois. Maintenant, on ne parle plus d'autosuffisance, mais maintenant d'accumulation de biens matériels, meubles et immeubles. Ça veut dire tout simplement qu'on a dépassé un niveau pour arriver à un autre niveau de développement. Pour arriver à ce niveau-là, mais il faut être pédagogique. On a commencé par une zone, mais on va l'élargir. Pour le moment, la démarche pédagogique consiste à dire le gouvernement met à votre disposition ces semences, mais vous demande de rembourser à la récolte. Il ne vous demande pas de l'argent au début,
mais il vous demande de rembourser en padi à la récolte. En vérité, même si vous allez au niveau de la vallée du fleuve Sénégal où le crédit de campagne est bien développé, c'est exactement le même système. Nous pensons qu'en développant ce système, en familiarisant l'organisation de producteurs à emprunter des intrants et à rembourser du padi, finalement, les institutions bancaires finiront par reconnaître que, ben tiens, voilà des organisations qui empruntent et qui remboursent. Et en ce moment, le gouvernement pourra se retirer et laisser le système bancaire marcher. Mais pour le moment, le gouvernement prend le risque et essaie de former les agriculteurs à ce système-là. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons une riziculture irriguée et une riziculture pluviale. Dans la riziculture pluviale, aujourd'hui, les besoins des gens pour ce qu'on appelle les variétés de plateau, c'est essentiellement les Nerica 1, 4, 5, 6, et maintenant peut-être les nouvelles variétés qu'on appelle les Arica, particulièrement la 5, les besoins actuels du Sénégal, c'est autour de 4000 tonnes de semences R1. On a du mal à trouver autant de semences. Donc si on peut encore accompagner en termes de pré-base pour encore pousser des organisations à développer fortement ces variétés, je pense que ça va beaucoup nous soulager et ça va davantage développer la riziculture au Sénégal. Les témoignages que vous avez vus, nous pourrons encore les multiplier ici au Sénégal.